Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour les résistants, c'est Maddy. J'espère que vous avez passé un bon réveillon en ce 1er janvier 2024. Évidemment, je vous souhaite une super, excellente, très très bonne année 2024. Je vous ai enfin fait les prévisions astrologiques. Ça m'a demandé beaucoup beaucoup de travail, des semaines de travail. Je vous livre mes cogitations. Si cela vous intéresse, j'ai mis le lien dans la communauté. Mais aujourd'hui, on va faire les prévisions voyance. Donc, ce sera pas aussi exhaustif, mais on va voir ce qui sort. Voilà. Par rapport à ce que je voulais vous dire, ben voilà, j'ai fait des membres sur ma chaîne. Donc, vous êtes les bienvenus, hein. Il y aura quelques avantages pour les membres, notamment des vidéos uniquement pour les membres. Et puis, dans les lives, il y aura aussi des lives en priorité pour les membres. C'est-à-dire que je répondrai surtout aux questions des membres parce que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc, je suis obligée de sélectionner un petit peu. Puis ça me prend quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, comme vous vous en doutez. Bon, allez, on y va. Alors, on va prendre le divin actu pour janvier, certainement les cartes postales. Et puis, bah, le Béline, hein, parce que c'est toujours le mieux quand même. Hein, le Béline, si j'arrive à le trouver. Voilà, il est là. Bon, alors, on va commencer d'ailleurs par le Béline. Janvier 2024. Janvier 2024, pour la France, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. Une femme étrangère, ou une femme qui voyage. D'accord. Bon, on va voir. Regardez ce qu'il y a en dessous quand même. Ah, et des questions de santé. Il y a des questions de santé. Oh là, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dessous. Bon, il y a un malaise là. Il y a un malaise, un départ, le gouvernement et un abus de confiance. Bon, alors, et qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a peut-être une femme. Est-ce qu'il y aurait une femme qui partirait là, qui serait contrainte de partir? Bon, bah écoutez, on va voir. En tout cas, apparemment, il y a un problème. Il y a un problème au gouvernement pour une femme qui serait peut-être obligée de s'éloigner, voire de partir. Ok. Bon, enfin c'est que la coupe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur janvier? Dans quel domaine ça va bouger en France? On va prendre que quatre cartes. Hein. Voilà. Alors, le travail. Bah, encore le travail, ou plutôt les affaires. Des choses qui s'améliorent et des histoires de sagesse. Ok. On va remettre encore une autre carte dessus, puis après j'irai prendre un autre jeu. Oh là, bon, d'accord. Bon, ben, ça veut tout dire, hein. Des choses qui s'écroulent pour les entreprises et pour les commerces. Des entreprises d'ailleurs qui étaient installées là déjà depuis longtemps, hein. Donc j'ai envie de dire, c'est pas des nouvelles entreprises, c'est des entreprises, on va dire, anciennes, qui avaient l'air de bien fonctionner, et là, ça s'écroule. Bon, d'accord. Donc, cata économique en janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trahison. Alors, la sagesse, moi, ça me fait quand même très souvent penser à tout ce qui est ministre et tout. Les gens couronnés, hein. Donc, des gens qui ont une certaine position, qui sont censés, pardon, faire preuve de bonnes décisions. Ici, ben, il y a quand même trahison. Trahison dans les décisions qui peut susciter le malaise ou alors c'est en relation avec le médical. Bon, donc deux informations. On va dire fermeture d'entreprise, catastrophe, banqueroute. Et là, des mauvaises décisions qui seraient prises au niveau constitutionnel, institutionnel, gouvernemental. Par rapport à quelque chose que l'on va découvrir et qui va susciter des passions. Bon, ok. Bon, ça a l'air de bouger, hein. On va prendre le divin actu. Savoir un petit peu plus. Alors, j'ai fait trois tas, hein. Il y a l'extension dedans. Du divin actu. Sachez que j'ai quand même retiré pas mal de cartes. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Donc, je ne vais pas les prendre. Voilà. Bon, on va faire comme Wendy. On va prendre le dessus. Coucou Wendy, si tu m'écoutes. Et puis, on va prendre. Voilà, comme ça. On va innover un peu, hein, sur 2024. Voilà. Et le troisième tas. Voilà. Allez. Sur 2024 en janvier, qu'est-ce qu'on a?
Des drones. Bon, des histoires de surveillance, apparemment. Hein. Des questions d'alimentation. Moi, j'y verrais plus que le troc. Hein. Plutôt les questions d'alimentation. Ah oui, il y a quelque chose par rapport à l'islam. Moi, je ne m'attendais pas à sortir une carte comme ça. Donc, on va entendre parler de cette religion pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aliénation. D'accord. Bombe nucléaire. Ah bah dis donc, sympa. Et là, on a montagne et difficulté. Bon, il va y avoir un problème en relation avec une certaine religion. On va peut-être pas trop épiloguer parce que je n'ai pas non plus envie de, de faire injurier dans les commentaires. Mais enfin, je ne suis pas non plus responsable des cartes qui sortent. Ouais. Ouais, quelque chose sur janvier. Alors, bombe nucléaire, à mon avis, c'est pas à mettre en relation avec la nourriture, c'est autre chose. Là, c'est la surveillance. Là, c'est peut-être le pouvoir d'achat, tout simplement. Hein. Là, on va regarder. Mais à mon avis, ça pourrait bien être la guerre. Hein. Vous savez, parce que c'est quand même bombe, donc c'est les explosions, quoi. Hein. Sans parler de bombe nucléaire, c'est des explosions. Et c'est vraiment actuellement plutôt ben, avec le conflit Palestine-Israël hein, en ce moment. Donc c'est là. Et là, on va regarder. Bon. Donc, je dirais que soit à la rigueur, soit on peut mettre ça ensemble. Mais par contre, le reste, c'est séparé. On va remettre encore une de chaque. Hein. Donc là, je vais la choisir. Il y a des questions de surveillance ici. Pour une raison ou pour une autre. Ici. Pourquoi il y a un problème avec les religions? Je ne sais pas. Aliénation. Bon. C'est un peu compliqué aussi à comprendre comme carte. Hein. C'est des questions un peu d'addiction, ça, aliénation, moi je dirais. Aliénation. Et la guerre, très certainement. Alors, les drones et la traversée. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est franchi, hein, une étape qui est franchie au niveau des drones. Donc, des questions de surveillance qui peuvent s'accentuer ou dont on va nous parler sur janvier. Ah, mais tiens, ça c'est curieux. Ça va faire là. Les médicaments et la nourriture. Bon, aucune idée pourquoi j'ai les deux ensemble. Là, on a une coupure. On a quelque chose que l'on veut trancher au niveau de la religion. Bon, on va devoir. Enfin, devoir. On va, pardon, on va certainement entendre parler de l'islam. Je ne sais pas pourquoi. Sur le mois de janvier. Aucune idée. On va regarder. Ici, la démocratie. La démocratie. Bombe nucléaire. Ouais, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? Aliénation et les médecins. Oui, alors ça me parle davantage quand même. Les médecins qui ne seraient pas libres de dire ce qu'ils pensent. Oui. Ça, à la rigueur, d'accord. Je pourrais même peut-être éventuellement, même d'ailleurs, aller chercher cette carte-là et la rajouter. Parce que ça, il y a une histoire logique. Donc, en fait, on va dire c'est la sursang. Voilà. La sursang de certaines personnes dans le domaine médical par rapport à certaines piquettes. D'accord. Donc ça, c'est en janvier. Donc il y a des gens qui ne vont pas pouvoir s'exprimer sur le sujet. Ok. Bon, bah là, à mon avis, c'est le coût de la vie. Hein. Ça, c'est l'inflation, je pense. Ok. La démocratie, à mon avis, il y a encore autre chose. Vous savez, je crois que cette carte-là, elle se limite à elle-même. C'est simplement la guerre qui continue hein, avec Israël et Gaza. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller recouvrir. Là, c'est assez curieux. Donc, il faudra regarder au niveau de la religion. Et là, il y a quelque chose aussi. Alors, au niveau de la démocratie, ben là, on va recouvrir. Espérons que ça ne va pas être encore un 49-3. Parce que là, ce serait effectivement la démocratie en danger, n'est-ce pas? La République. Ah ben tiens, comme c'est curieux. La démocratie, la République. Ouais. Victoire, célébration de quelque chose. Victoire, célébration de quelque chose. Est-ce que j'en remets encore une? Ah, il y a quelque chose par rapport au gaz ou à l'électricité qui va être voté, je pense. Alors, démocratie, république, ça me dirait plutôt quand même, c'est quelque chose qui va être voté, qui va pas passer par un 49-3 cette fois-ci. Mais si ça se trouve, ça peut être même l'Europe d'ailleurs. Il y a quelque chose qui va être décidé au niveau du gaz et de l'électricité. Voilà. Qui va être vu comme une victoire pour une raison ou pour une autre. Donc une loi qui va passer. Je pense, hein. Parce que j'ai victoire, célébration, donc tout le monde est d'accord sur le sujet.
Bon, donc des changements au niveau du gaz, de l'électricité, quelque chose au niveau du coût de la vie, on pourra peut-être aller recouvrir. La guerre qui continue, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Et là, quelque chose d'assez mystérieux au niveau de la religion, où il y a des histoires de difficultés et de vouloir trancher. Ouais, j'ai pas trop envie de parler des histoires de religion, parce que c'est toujours délicat. Donc on va mettre ça un peu de côté. On va quand même revenir sur les histoires de troc, là, parce que c'est pas très adéquat. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu, moi? Tiens, on va prendre le... Tiens, ouais, on va prendre le résilio. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces histoires de carottes? Ou alors, est-ce que c'est l'agriculture? Enfin, vous voyez, un petit peu... Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors là, il y a une communauté, mais il y a aussi des ennuis. Donc, des ennuis ou une mauvaise décision. D'accord. Quoi ça concerne? Pourquoi j'ai les carottes? Bon, ça, c'est des gens qui décident. Là, ça peut être l'administration, les transports et un blocage. Alors, si ça se trouve, c'est des grèves. Si ça se trouve, c'est des grèves, tout simplement. Parce que j'ai quand même ça. Il y a quelque chose qui est coincé. Là, il y a les administrations. Alors, est-ce qu'il y aurait des grèves ou des problèmes de transport en relation avec l'alimentation? Enfin, il y a quelque chose de bizarre ici. Je vais quand même aller remettre encore une autre carte. Je vais prendre les grandes cartes postales. Cette fois, pour voir un peu ce qui sort. Il y a des trucs qui touchent la nourriture. Voilà. Ça. Ouais, il y a de la bagarre là. Il y a de la bagarre en préparation par rapport à des choses de la nourriture. Ou alors à des grèves en relation avec la nourriture. Ça peut très bien être le côté agriculteur. Hein. Vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Bon. Dans tout cas, des questions d'alimentation avec éventuellement des histoires de se battre ou de se regrouper pour atteindre un but commun. Voilà. Bon, on va refaire un petit jeu. Et on va peut-être poser des questions, hein, voir si par exemple il va y avoir des changements dans le gouvernement ou s'il y a un fait social ou un fait divers. Enfin, ouais, on va voir ça, on va faire ça comme ça. Alors, on va prendre cette fois les allusions de l'univers, hein, un jeu que je trouve très sympa. On va demander, est-ce que on va avoir par exemple un changement au niveau de la politique? Allez, sur janvier. Alors, les histoires de famille et de pièces du puzzle. Non, pour l'instant, ça ne me dit rien. Est-ce qu'on va avoir un changement en politique sur le mois de janvier? Ou une décision, par exemple? Quelque chose d'important. Ouais, il y a quand même quelque chose par rapport aux familles, hein. Quelque chose qui se dessine par rapport aux familles. Donc, il y a une loi qui va toucher les familles, je pense. Oui, mais vous voyez, quelque chose qui n'est pas solide ou qui est, vous voyez, on passe d'être dangereux. Parce que là, on voit très bien que le pont, il n'est pas, il n'est pas du tout sécurisé. Donc, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui va être décidé pour les familles, mais qui va être en même temps dangereux. Et oui, alors ça peut vouloir dire aussi que on n'en voit qu'un côté. Il y a quelque chose qui va être décidé, mais on n'en voit que l'ombre. Donc on ne voit pas la réalité. Ouais, c'est quelque chose qui va être mis en route. Donc un changement, une fausse solution pour les familles. D'accord. Une fausse solution pour les familles. Je ne sais pas exactement encore dans quel domaine. Ça peut être une aide. Hein, bon. En tout cas, vous voyez, là, les clés, elles n'ouvrent rien du tout. Donc, pour ça, je dis une fausse solution. Et là, au contraire, on a quelque chose qui va se casser la figure. Bon, ok. D'accord. Est-ce que ça peut être autre chose au niveau politique? Non, je pense que c'est vraiment la famille, hein. Ok. Donc, quelque chose qui va être décidé pour les familles, mais qui va pas être bon. Alors, bah, écoutez, j'ai reçu un nouveau jeu sur lequel j'ai flashé, comme d'habitude. C'est celui de Kate que je salue ici. Kate Cartomancie, voilà.
En fait, c'est un peu l'idée que j'avais, moi, par rapport à un nouveau jeu que je voulais faire moi-même. Mais c'est pas grave, hein. Quelquefois, ben, on a les mêmes idées en même temps. Il a simplement été plus rapide, mais c'est très bien. C'est très bien, puisque ça va me permettre déjà d'utiliser un concept auquel j'avais pensé, que je trouve très sympa. C'est-à-dire, vous avez des cartes avec des images. Ah ben tiens. Ah bah tiens, écoutez, justement, je voulais vous parler du petit gars, Émile, sans faire exprès, hein, voilà. Je voulais tester le jeu avec, j'ai même pas le temps de finir mes phrases, que tout de suite, regardez, un homme qui emmène un petit garçon, pas fait exprès, hein. Bon, donc en fait, je voulais vous montrer qu'il y avait des images, et il y avait des mots. Alors, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, ça va dépendre comment je vais sortir la carte, ou peut-être comment je vais appréhender la carte. J'ai de me reconcentrer. Alors... Qu'est-ce qui est arrivé au petit garçon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que Kate peut nous dire à ce sujet? Du coup, peut-être que je prenne les bonnes cartes. Attendez, qu'est-ce que j'ai fichu? Oui. C'est-à-dire qu'elles ont le même dos. Donc, il faut bien faire attention de ne pas les mélanger. Hein, voyez, les mots ont le même dos que les images. Bon, ben, on va commencer par les mots. Voilà, je remélange. Et en tout cas, moi, j'aime bien. Ah, il y a encore une qui s'est retournée. Là. Attendez, c'est quoi ça? Alors là, on a un truc qui ressemble à une église. Bon, oui, apparemment, ça s'est retourné, hein. Ouais, il y a qu'on appelle ça déjà, vous savez, la voûte, là. Ça ressemble vraiment à une église. Bon, ok. Bon, je ne dis rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au petit garçon? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose? Ça fait 6 mois pratiquement maintenant. Alors, un couple... Ah ben ça c'est une mère, attendez, c'est... J'allais dire c'est une mère et son enfant. Ah c'est possible. Enfin bon, ouais j'ai l'impression. Au vu du profil, je pense que c'est une mère et son enfant. Et là on a quoi? Étranger, pardon, changer de peau. Hein, c'est quoi ça? Changer de peau. Alors je vais peut-être pas forcément regarder ce qu'il y a marqué sur la carte. Moi, je verrais bien un ennemi. Un ennemi par rapport à la mère et l'enfant, là, à la famille. Bon, ok, ça me vient comme ça. Hein. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé au petit garçon, avec le petit garçon. Parce qu'on parle des... davantage d'informations. La coupe, il y avait un homme qui emmenait le petit garçon. Cette fois, on va d'abord retourner les images. Alors, la naissance. Bon, ça, c'est justement un enfant, tout petit enfant. La peur. Et les choses qui sont gelées, ouais. Bon. Ça, c'est le petit garçon, hein, parce qu'il a que 2 ans et demi, donc voilà. Ça peut parler de lui, hein. Vous voyez, il était en train de dormir, à mon avis. Hein. Moi, je pense qu'il était vraiment en train de dormir, qu'il a dû se réveiller, mais vous voyez, il y a la peur, hein, et gelée. On va peut-être remettre encore une carte, tiens. Qu'est-ce qui est arrivé? En tout cas, là, il y a aussi une agression, c'est pas que la peur, hein. C'est une agression, hein. Je l'ai, par contre, c'est que les choses bougent pas, quoi. Hein. D'accord. Alors, il y a un stylo brisé. Ouais, il y a quelque chose. Il y a de la casse, là. Et un danger. Oui, d'accord. Bon. Bon. Ok. Moi, je verrais bien un homme qui l'ait emmené. Hein. Qui l'ait agressé. Il y a de la casse. Il y a peut-être un accident, mais je suis pas sûre. Moi, je pense que c'est vraiment une agression. Et là, des choses qu'on écrit... Mais ça fait aussi penser à un contrat. Moi, je vous avais parlé de contrat. Hein. Et là, vous voyez, le danger. Ouais. Alors, on peut demander quand même pourquoi est-ce qu'il a été enlevé. Comme ça, bon, autant y aller franco. Hein. Peut-être que je mette des mots aussi, quand même. Ah ben voilà, regardez le petit garçon. Vous voyez, ça fait 2 fois que ça sort. Là, on a le petit bébé. Donc, c'est quand même tout petit, quand même. Et là, c'est le petit garçon qui se pluche. Hein. Vous voyez, le jeu, il sort bien. Là, on a quelque chose qui est complètement cassé, détruit. Ouais, et donc ça, c'est pas bon pour l'avenir du petit garçon, je suis désolée. Mais bon, moi, je pense qu'il est plus là. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a sur le danger? Ah, bah tiens, on a encore l'effet de se noyer. Ouais, donc en fait, il y a bien eu un appel au secours. Hein. Mais vous voyez, il n'y a personne qui est venu. Hein. Je l'ai. Bon, ok. Alors, on va rester par là. Mais moi, je vous dis, il y a eu quelque chose, là. Il y a quelque chose qui a été écrit, qui a été ratifié, qui a été décidé, hein, avec le stylo, la feuille, ou voire organisé.
Ah bah oui, ça ressemble un petit peu aussi à un agenda. Je suis en train de regarder la carte. Ça n'a pas été spontané, moi je pense pas. Ça me paraît bizarre que ça ait été spontané. Non, je crois pas. Je crois pas. Alors, petit garçon. On va faire que deux, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Surveillance. Ben voilà, quand je vous disais que ça a été préparé, il a été surveillé, le petit. La ruse, et il a été enlevé par ruse. Moi, j'en suis persuadée. Alors, on va essayer de voir éventuellement. On va continuer parce que le jeu a l'air de bien vouloir parler. Encore un enfant, décidément. Regardez, c'est fou, hein. Je ne fais pas exprès comme d'habitude. J'ai trois cartes de petits garçons. Alors, il y a une sucette. Hein. Oui, bon, ben, elle a pu être attirée évidemment par les sucreries. Mais enfin, bon, à cet âge-là, on ne se méfie pas de toute façon. La ruse et la discipline. Donc, je voyais, il y a quelque chose qui a été mené manu militari. Ben, c'est vraiment, c'est le mot qui me vient en tête. Discipline, ça a été organisé tout ça. Hein. Ouais, la ruse et la discipline. Ça a été organisé, j'ai envie de dire, de façon très, très, très stricte. Et ça me fait penser aussi qu'il doit y avoir peut-être un groupement ici, un groupement de personnes. On va recontinuer sur le petit garçon, Émile. Saisir fermement, ben voilà, le jeu, il parle, hein. Franchement, extraordinaire. Catacombe, voilà. Ah, il y a des choses qui sont sous terre, hein. Mais vous voyez que vous avez aussi la tête de mort. Je suis désolée. Hein. Mais bon, moi, je pense qu'au bout de 6 mois, c'est. Voilà. Il y a peu d'espoir. Hein. Il y a peu d'espoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est entre nous. Voilà. Donc, il a été enlevé par ruse, certainement avec des histoires de discipline, de préparation presque militaire, hein. C'est-à-dire de choses très organisées, éventuellement des groupes. Et vous voyez, il y a les choses qui sont sous terre. Qui sont sous terre. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des tunnels dans la région. Parce que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Il a disparu comme par magie, quoi. C'est très curieux. En tout cas, vous voyez ici, petit garçon innocent, saisir fermement. Donc voilà. Il a bien été emmené. Hein. Il a bien été enlevé. Mais ça, moi, je l'avais dit dès le départ. Dès le départ, pardon. Dès le début, dès le départ. Ouais. Têtu. Ça, c'est marrant. J'ai encore un âne. Et là, bizarre. Bon, bah, des non-humains, hein, des non-humains. Alors, quand je dis les non-humains, les amis, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont inhumains au sens non-humain. Après, je ne veux pas forcément parler d'extraterrestres ou de ce que vous voulez, ou d'aliens. J'ai plutôt parlé de gens qui ne sont pas comme nous. Hein, des gens qui sont, voilà, bizarres, mais dans le sens vraiment qui font des choses qui ne sont pas humaines. Hein, c'est pour moi, c'est la carte. Alors, têtu. Têtu, qu'est-ce que ça m'inspire, ça? J'ai les questions d'âne, alors c'est la campagne aussi. Hein. J'ai les questions de campagne. Alors peut-être que le petit, vous ne voulez pas venir. Hein. Ça pourrait montrer pourquoi j'ai saisi fermement et têtu. Mais pourquoi est-ce qu'il a été enlevé? J'ai toujours pas la raison, par contre. Ah bah regardez, voilà. Vous voyez, je vous dis, le jeu est extraordinaire. Alors. J'ai quoi? J'ai lueur, éclaircissement. Bon, alors faut peut-être que je continue. Allez, on va mettre quelques mots quand même. Bon, il y a moins de cartes dans le tas des mots. Donc, je vais en prendre évidemment moins. Donc, le jeu me dit qu'en fait, il faut que je continue, vous voyez? Lueur, éclaircissement. Fermé, ouvert. Bon, fermé, fermé ou enfermé, hein, ok. Et là, satisfaction. Alors, est-ce qu'on saura le fin mot de l'histoire ou est-ce que c'est finalement moi avec mes petites cartes qui vais pouvoir avoir des éclaircissements? On va continuer. En tout cas, on a bien vraiment quelque chose ici qui est très clair. Un homme qui emmène le petit garçon qui ne voulait pas venir apparemment, hein, qui a pu être attiré avec éventuellement une sucrerie. Enfin bon, encore une fois, à 2 ans et demi, on ne se méfie pas de toute façon. Vous voyez, qui était surveillé, on le retrouve encore ici, hein. Incroyable. Des histoires d'agenda, des histoires de préparation, des histoires peut-être de signature, de signer quelque chose, de s'engager, de contrat. Et on retrouve l'enfant qui, au départ, était en train de dormir, éventuellement. Hein? Bon. Voilà. Donc, c'est bien ça. J'ai pas le pourquoi du comment, c'est-à-dire le pourquoi est-ce qu'il a été enlevé. Je vais voir si on peut savoir plus. Agression, bon, voilà. OK. Donc, c'est bien une agression. Injection. Ouais, donc il a bien été, on lui a bien injecté quelque chose. Moi, c'est ce que j'avais dit, hein, me semble, hein, me rappeler que
Bon, peut-être je peux me tromper, hein, ça fait longtemps que j'ai fait les tirages, qu'on avait dû lui donner quelque chose pour voilà, le faire dormir. Hein. Ceci, là, on vous met un truc sous le nez et pouf. D'accord, donc agression. Agression, mais pour quelle raison? Ah, il y a encore la justice. Oui. Et là, ah, voilà, regardez, injection et hôpital. Ouais, donc ça, c'est pas très bon. La justice, donc c'est décision. Décision d'agression. Qu'est-ce qu'on a? Ça, copycat. Oui. Et sacrifice. Oui, ouais, d'accord. Bon, on va peut-être arrêter là. Hein. Alors, copycat, ça fait penser à quelque chose qu'on copie. Normalement, un copycat, c'est dans les. Par exemple, dans les serial killers qui s'inspirent d'un modèle. Hein. C'est ça, copycat, normalement. Donc là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui se répétait, ou qu'on refaisait, ou qu'on copie quelque chose. Mais il y a aussi une décision de copier quelque chose, décision de faire pareil qu'eux. Oui, et là, bah, écoutez, voilà. J'ai injection, le lit d'hôpital, sacrifice, paix à l'âme du petit. Je pense qu'il est parti de l'autre côté. Il y a juste la raison qui manque. Il y a la raison qui manque. Je vais voir si je peux l'avoir. La raison, c'est quoi la raison? La raison, séparation, oui. Cœur brisé, religion. Bon, il y a des histoires de religion là-dedans. Du cœur brisé et de religion. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ah non, ça c'est la famille, ça. Ça, je pense que c'est la famille qui a le cœur brisé et qui se réfugie dans la religion. Non, non, ça c'est la mère. Hein. La mère qui pleure. Ben, je crois qu'en fait, la raison, elle est là. Sacrifice. Bon. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Bon. C'est terrible. Hein. Je vous dis, quand on avait la carte ici, non humain, vous voyez, la raison, elle est là. Hein. Voilà. Avec des histoires de feu. Attendez, dans l'autre sens. Ouais, de volcan, de feu. Ouais, de feu. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai le feu et la nuit. Bon, on n'en saura pas plus. Voilà, moi, ce que j'ai sorti les deux cartes importantes. C'est les gens qui sont non humains et l'histoire du sacrifice, point. Bon. Donc, désolé. J'ai fait pourtant plein de bougies, plein de prières pour le petit, comme vous, certainement. Voilà. Je pense pas qu'on le retrouvera. Je pense qu'il est parti de l'autre côté. Bon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais donc vous laisser en vous laissant en vous pardon, en vous souhaitant encore pardon une bonne année. On se voit très rapidement. Je vais essayer de vous faire un live cette semaine avant de reprendre l'école, hein, si je puis dire. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ceci va vous intéresser. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.